Vidéo ça, li concerne spécialement moun ki déjà approuvé dans le programme humanitaire gouvernement américain qui soumet certificat au bail CBP One et qui jusqu'à maintenant pour qu'on recevoir travel authorization yo. Nous connaissons situation ça, il y a pile moun qui a traversé, il y a pile moun qui déjà gagné soit 1 mois, 2 mois, 1 mois et demi et qui presque même gagné 3 mois depuis qu'il y a tant de documents ça dans main CBP One qui ka permet de voyager pour rentrer aux États-Unis. Nous venons partager expérience nous ensemble avec vous. Parce que nous travaillons pour un peu le monde dans le domaine. Non? Nous voulons connaître ce qui s'est passé. Et si nous avons un moyen pour résoudre le problème, ça, nous allons permettre de résoudre dans la vidéo. Tendez avec un peu d'attention. Parce que nous venons partager ensemble avec vous une expérience. Je capable de dire que c'est une courte histoire. Mais qui est capable de vivre plus devant ou remarquer que c'est un peu triste. Mais qui peut dépasser. Nous venons partager l'histoire ça ensemble avec vous. Il y a un sponsor qui te file pour 3 personnes. Il file pour 3 personnes dans le programme humanitaire gouvernement américain. 3 personnes, tous les 3, arrivent à approuver le 17 janvier. Et 17 janvier, ça, 3 personnes ont approuvé. Ils ont contacté nous. Nous remplis le dossier dans USCIS. Et dans le même 17 janvier, ils arrivent à soumettre le certificat by CBP One pour demander autorisation de voyage. Dans 3 personnes, gagne deux là-dedans qui recevoir document ça 30 minutes après sous compte USCIS et sous email yo li paraît et nous ouais que yo dit nous we have taken an action in our case, c'est-à-dire yo prend une décision sous dossier là. Nous allons vérifier et deux dans monde ça yo joine travel authorization yo pour rentrer aux États-Unis. Et actuellement pendant qu'on parle là monde ça yo déjà gagné 2 mois depuis qu'il est rentré aux États-Unis dans le programme ça. Pas bien nous te dire c'est 3 personnes. Mais il y a 9 personnes qui peuvent recevoir travel authorization. 17 février fait 1 mois, 17 mars fait 2 mois depuis que monde ça peut recevoir travel authorization. Qui ça nous fait? Nous même dans Destiny Motivation TV, là nous avons travaillé pour un client, nous pas la guerre, nous pas seulement faire processus et pour nous virer d'eau quitter ou agoumer pour corps. Non. Nous pas faire comme ça. Nous accompagner jusqu'à ce que vous rentrez aux États-Unis. Et même l'arrivée, nous toujours tient à ce que nous gain possibilité et si sponsor ou pas capable ou ka contacter nous pour nous faire demande carte de travail pour ou ak en pile autre service que vous avez besoin aux États-Unis. Là que nous remarquer 17 février passé, il fait 1 mois. Client, il peut recevoir travel authorization ni pendant ce temps que c'est eux trois qui étaient approuvés le même jour et eux soumettent certificat au même jour by CBP One. Qui ça nous fait? Nous relais CBP One. Là nous relais CBP One. Mais faut que nous disons que n'est pas aussi facile pour que nous rentrer en contact avec CBP One. Parce que là nous relais CBP One, nous prend près de 2 heures de temps et demi sous ligne jusqu'à avant que nous rejoignions un agent pour nous parler. Et finalement nous te joignons avec un agent. Nous dit agent comme ça que dans ça que nous mentionnons, dans le dossier, donc délai dossier, il varie de 2 à 3 semaines pour que nous soyons capables de joindre un résultat. Et finalement, nous soumettons un dossier et ça a déjà gagné 4 semaines, nous ne pouvons recevoir rien, nous ne pouvons recevoir aucune action qui fait sous lui, nous ne pouvons recevoir travel authorization. Agent, il dit nous comme ça que pour nous bali on série information sur dossier et sincèrement nous bali toute information sur dossier. Yo dit nous comme ça que nous tann toujours après 2 semaines pour nous tann pour que yo capable relé nous. Si nous pas joindre assistance agent, si nous pas venir réponse de CBP One pour nous capable recontacter ou encore. Nous pas de problème, nous t'attend jusqu'à 2 semaines. Nous tann 2 semaines et après 2 semaines ça nous relais CBP One encore. Et CBP One dit nous que yo pas capable de gérer dossier ça. Parce que depuis mon fin fait demande autorisation de voyage, yo même yo c'est un simple canal, c'est pas eux même qui délivrer travel authorization. Effectivement, c'est pas CBP One vrai qui bail document ça. Instance qui bail document ça, c'est DHS. Qui ça DHS là lui-même? DHS c'est une entité en dans CBP One. Nous capable dire que
DHS représenté secrétariat CBP One. Nan. Donc, on soumet demande d'autorisation, c'est vrai, pas moyen CBP One, mais c'est DHS qui délivre le document ça. CBP One dit nous pour nous contacter DHS, pour nous relayer DHS, pour nous présenter dossier by DHS. Qui ça nous fait? Nous relayer DHS le même jour. Et il faut que nous disions que il était très facile pour que nous rentrions en contact avec DHS. Et pour nous rentrer en contact ensemble avec elle, ça va prendre pile temps, mais nous te prend jusqu'à 30 minutes pour que nous te capable parler ensemble avec un agent dans DHS. Nous racontons le dossier, nous dit DHS que nous soumettons demande d'autorisation de voyage nous depuis le 17 janvier et jusqu'à maintenant nous dans 17 février déjà gagné un mois et délai de traitement yo c'est de 2 à 3 semaines. Donc ça il dépassé délai qui ça que nous capable faire. Eh bien qui ça DHS dit nous? Tout le monde qui a regardé vidéo ça, nous conseille autant d'y avec un pile attention. DHS dit nous comme ça que tu as gagné un problème au niveau de USCIS. USCIS a gagné une faiblesse pendant le mois de janvier. Donc tout le monde qui te soumet demande autorisation de voyage dans CBP One pour le mois de janvier, nous livrer au document ça. Mais à cause que tu as gagné une faiblesse dans USCIS, ça n'est pas capable de arriver délivrer sous email moun nan problème nan c'est pas dans nous même problème nan c'est USCIS parce que USCIS te gen faiblesse pour mois de janvier tout document travel authorization en pile là dans yo que nous soumet by USCIS et USCIS pas arriver délivrer document ça yo. DHS conseille nous pour que nous capable contacter USCIS et le même jour nous contacter USCIS nous pas arriver joindre possibilité pour nous parler ensemble avec nos agents. Et nous contactons USCIS encore dans le demain. Et USCIS nous recevons nos agents et nous présentons le dossier. Nous disons mais comment, mais qui gens ça passé. Donc, nous allons soumettre certificat au CBP One depuis exactement 17 janvier. Et 17 février, nous avons fait mon un mois. Et nous demandons nous pour que nous prenions 2 semaines encore. Nous sommes capables de dire nous arrivons dans la limite espace 17 mars. Le 17 mars, nous arrivons fait 2 mois. Depuis que Mounsa les soumet certificat by CBP One et l'hypoco jam recevoir travel authorization. Et agent qui t'a parlé ensemble avec nous, dit non. Pas de problème, nous prenons dossier. Donc, les déjà ta et nous exactement pour arriver dans la limite de travail, nous avons quitté le dossier là, nous avons mis en urgence et nous sommes capables de joindre une réponse de très tôt. Si que ou pas joindre une réponse dans 3 jours, nous sommes capables de recontacter nous encore. Avec un pile patience, après 3 jours, nous pas joindre aucune réponse et nous contacter USCIS encore. USCIS, nous joindre ensemble avec un agent. Faut que nous disons que fois ça, nous pas prendre pile temps pour que nous t'es capable parler ensemble avec un agent dans USCIS. Qui ça que vous dites nous? Donc on nous présente dossier bah encore. Nous disons que nous t'es parlé avec un agent déjà qui t'a dit nous l'a quitté dossier et l'a marqué dossier, l'a mettre l'île dans casier d'urgence. Et pour que yo capable mettre yon technicien, yon agent, ban non assistant sous dossier. Mais nous pas remarqué aucune action qui fait sous dossier. Comment ça y est? Comment que yo capable aider nous? Bien rapide, nous joignons ensemble avec yon agent sous dossier. Donc nous présente le cas. Agent dit non. Eh bien ok, pas de problème. Désolé, parce que tellement de demande, tellement travail en pile. Nous pas arrivé ouais dossier là donc c'est pas de faute non n'a traité dossier là le plus vite que possible. Eh bien effectivement après nous fin parler avec agent hier qui était 11 avril là et jodi 12 avril là même email l'a monté li marqué we have taken an action in our case. Donc yo prend une décision sous canon sous dossier noir. Yo prend une décision. Donc nous pouko ka content. Pour qui ça fait nous pouko ka content? C'est parce que dossier a tellement pris pile temps dans main USCIS, nous gen ti doute sou li, ça capable briver que moun nan ta ka prend refus, que te gen droit pas autorisé pour rentrer aux États-Unis. C'est ça qui fait que nous pouko ka content. Et bien finalement, là nous rentrer la donne, nous wè bénéficiaire li autorisé pour rentrer aux États-Unis. Ça pouko jamais y attend. Li autorisé pour rentrer aux États-Unis, c'est vrai. Mais ça que je veux comprendre dans le dossier, ça, c'est que
Les soumettre demande autorisation voyageant le 17 janvier. 17 janvier, et nous sommes capables de dire 17 février fait 8 mois, 17 mars fait 2 mois, et 17 avril a fait 3 mois. Et document ça, les joignent le 12 avril que USCIS délivre. Ça que moi voulais retenu, dans ça que m'a dit, c'est que date d'expiration document n'est pas changé. Ça veut dire que on a dit si bénéficiaire la recevoir document ça le 12 avril, d'après nous-mêmes, l'état supposé expirer 3 mois encore. On t'a dit 12 avril, 12 mai, t'as fait 8 mois. On t'a dit 12 juin, t'as fait 2 mois et 12 juillet, t'as fait 3 mois. Non. Les contrôler en fonction depuis mois de janvier. Donc li déjà presque gain 3 mois. Nous soumettre demande autorisation le 17 janvier et 17 avril a fait 3 mois. Et client et bénéficiaire là, li joindre document ça le 12 avril, jodi même n'a parlé là. Donc ou capable peut-être garder vidéo ça dans 2 jours, dans 3 jours ou bien capable garder dans demain. Mais le 12 avril lui recevoir document ça et document ça l'a expiré le 17 avril. Qu'a fait 3 mois parce qu'il te soumet li depuis le 17 janvier. Donc si que 17 avril là, il passé, document ça li expiré, il pas capable voyager ensemble avec li encore. Ça que moi veux retenu, dans ça que n'a dit yo. Et que vous même qu'a regarder vidéo ça qui déjà gain même problème ensemble avec bénéficiaire ça, n'a conseillé parler ensemble avec sponsor sur mon situation ça. Parler avec sponsor, parler avec monde qui travaille pour les capables rentrer en contact ensemble avec USCIS et pour lui checker tout couloir ça que nous sommes passé là pour bénéficiaire là pour client nous et qui arrive jeune travel authorization ni le 12 mois ça. N'a pas dit parler ensemble avec sponsor, contacter sponsor, mandel pour établir contact ça yo. Peut-être que au capable jeune chance ou même jeune bénéficiaire là, les jeunes chance li. Et les supposer effectuer un voyage d'urgence pour que document ça li pa getan expiré nan men parce que li rete exactement 5 jours pour le voyager sous li date là li pa update. C'est un plaisir pour que nous te capable vinn partager information ça ensemble avec vous. C'est une expérience que nous vinn partager ensemble avec vous parce que nous pas ta remen que ou perdi voyage ça, ça t'est nous arrivé ou getan gen 3 mois depuis que ou soumet demande d'autorisation voyage ou et les que ou vinn recevoir document ça li vini tout expiré. Mes amis, pi bonè c'est grand matin. Nous connaît des stimotivation ti viré men nou. N'ap mande ou partager vidéo ça, menel bay plus moun, permettre que plus moun capable joindre ni épanier ou aider ou joindre document ça pour que ou capable river voyager rentrer les États-Unis. Nous dis merci parce que t'a regardé vidéo ça. Nous pa mande ou pour like parce que nous getan konnen ou ap toujours kite like en bas vidéo. Abonnez à la chaîne là. Activez la cloche notification pour capable joindre toutes dernières informations que n'a publié yo. Ou faire des stimulations de confiance, n'a continuer travail pour. N'a croiser dans prochaine vidéo.